Bonsoir tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo ASMR où je me trouve actuellement dans une fac désaffectée située à Grenoble. Vous pouvez voir une partie de la ville de ce côté-là. C'est l'été, on entend les grillons et de l'autre côté c'est la circulation. Cette vidéo, on va simplement observer les tags tout en faisant des triggers. Et aussi, essayer de deviner les personnages ou les décors dessinés. Si ça représente un personnage issu de la pop culture et marcher sur des débris de verre. Mais allons de ce côté. Ce sont des sanitaires, oui. Il y a un paquet de biscuits. Et il y a des informations pour, très certainement, une chasse au trésor. Je ne sais pas qu'est-ce que ça représente, cette phrase. Où se trouve le trésor caché ? Aucune idée. Il y a marqué ici « I told you I had cold hands, so you would hold them ». Donc je te l'ai dit, je possède des mains froides, j'ai les mains froides, alors voudrais-tu les prendre ? Là c'est un magnifique tag, juste ici. Mais qui a été gâché par un personnage totalement inconnu. Je ne vais pas pouvoir aller de ce côté parce qu'on entend la circulation. On va descendre d'un étage maintenant. Ça doit beaucoup squatter ici et que l'hygiène ne doit pas être convenable et correcte. On va éviter de manipuler les objets qui se trouvent au sol. Je n'ai pas de gants malheureusement. J'improvise cette vidéo ASMR. Fait de plus en plus sombre. Ça mène à l'extérieur. Non, c'est un autre endroit, un peu désaffecté ici.
que cet accès a été bétonné. Et je peux voir des sacs, des chaises, des débris. De toute façon, je pense que les débris, il n'y a que ça ici. Ce qu'il y a de ce côté. C'est dommage parce que le vent vient du dessous et il suffit que j'enregistre mes bruits de pas pour qu'on entende tout. Mais à mon avis, de ce côté, il doit y avoir des jolis coins. C'est bien. Ici, c'est très bien. Il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de bruit nuisible. On est dans un ancien amphithéâtre, je dirais, avec la Seine de ce côté. Attendez, quelqu'un il a tagué un Among Us juste devant. Là, c'est un Among Us. Un visage. Un espèce de chat, un champ pipi. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à tapoter ici. Il n'y a pas de végétation. C'est juste un bâtiment en ruine. Une fac désaffectée, située au-dessus de Grenoble et en dessous du fort de la Bastille. On entend très légèrement les grillons et je trouve que ça passe très bien. Un paquet de... ça c'est bien de Lidl. C'est parti pour le One Man Show spécial ASMR. Bienvenue tout le monde pour cette vidéo inédite, pour ce spectacle totalement incroyable qui va vous relaxer jusqu'à la fin de votre existence, qui va vous endormir en un claquement de doigts, en l'espace d'un instant. Je n'ai pas encore trouvé sa signification, malheureusement. Et on a plein de tags. Des tags sur des tags. C'est vrai qu'ici, c'est tellement calme qu'ils n'ont pas besoin d'être dérangés. Ils sont, les graphistes en herbe sont tranquilles. Ils viennent. Ils exposent leur art. Ils s'entraînent. Faire les meilleurs tags de l'univers. Sanitaire maintenant.
avis, ça c'est quelqu'un qui est trop resté sur le trône et ça a énervé la personne qui voulait également couler son bronze. Mais ou alors c'était peut-être quelqu'un qui était enfermé, mais on voit que les coups de pied ont été mis de ce côté. C'était le sous-sol. Fallait pas être grand. Bah voilà un message que j'ai réussi à déchiffrer. ACDC. C'était les tuyaux d'évacuation des eaux usées et aussi le tableau électrique. J'ai tellement envie de tripoter pour voir les triggers, mais je ne peux pas. En plus, avec la bombe, on va peut-être éviter avec les ongles. Je vais me laver les mains juste après. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Chaleur. Il y a comme un endroit ici. On va peut-être profiter un petit peu du soleil. Cette vague désaffectée me fait rappeler le jeu Condemned 1 sur Xbox 360. Son chemin maintenant. Là, vous pouvez mieux voir la façade de la vague désaffectée.
vous aura bien relaxé. C'était vraiment un petit test. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. C'était Ice Minotaur. Bonne nuit à tous.